Ah, on va passer la scène parce que je crois que on va le revoir après. Salut à tous, c'est JV, bienvenue sur Mad City, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play, pour un nouveau Let's Play même, sur un nouvel opus de Kingdom Hearts. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, et je suis désolé si je commence un peu en retard là, c'est que j'ai eu un petit problème de connexion, je sais pas d'où ça vient. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je mets en pause Resident Evil Code Veronica parce que je n'arrive pas à battre le boss. On a pu le voir, je suis resté 1h30 dessus. Ça vaut pas le coup que je passe encore des heures et des heures derrière. Je préfère reprendre le jeu au calme chez, plus tard. Le reprendre, garder des vies, beaucoup beaucoup de vies. Tout ce que je peux garder comme vie, je le garde. Et surtout, essayer d'arriver avec un max de vie à ce boss. Voilà. Donc en attendant, ben, je continue dans les jeux. Et on arrive à l'avant-dernier épisode des Kingdom Hearts. On est allé à Kingdom Hearts HD Drip Drop Distance, sorti à la base sur 3DS en 2012 ou 2013, je sais plus. Un très très bon jeu que j'avais. D'ailleurs, je m'étais régalé. Et sur ce, on en serait parti et on va mettre en mode expert. On va activer, oui. Les sous-titres aussi, on va les laisser. Continuer les paramètres. Oui. Je suis fou, je vais faire mode expert, je suis un taré. Y'a pas le mode final mix dedans. Ah, je vais laisser la scène. Hey, is this how you wanted it? Xehanort, you want to fill me in? I am. Hey, do you remember now or... Wait, did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. What? My name is Ansem. Ouais, j'aurais dû laisser la scène cinématique. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. Riku, a storm's coming. I know. The waves are getting steep. Furl the sail. Right. Ah, je crois qu'il y a un boss. Riku! C'est sur celui-là, il me semble. I'm fine. What's that? Oh, he was right. Those wretched guppies are here. Well, it's about time. We settled the score! Ursula! But how? Is this the test? Come on! Uh-huh. You can work it out later. All right. Alors attends. Les mémos sont des initiations et flashbacks optionnels. Accéder aux mémos en activant visionner ou regarder à l'écran. D'accord. Les mémos sont accessibles automatiquement dans le menu principal. Ok. Visionner. Je sais pas. Aide pour te déplacer. Ah putain. On va voir. On va bouger la caméra. Génial. Ok. Utilise R pour regarder autour de toi. Ok. Appuie sur X pour attaquer. Appuie sur X plusieurs fois pour avoir réussi à attaquer. Et une minute d'attaquer. Voici ta jauge de HP, sans baisser, appuie sur... Ah, cool, on peut... Ah, je peux esquiver, cool. Ah, ça c'est cool. Bon, par contre, ce qui est moins cool, c'est la caméra. Mais oui, une slim pour que la caméra aille dessus. Attends. Ah là. Ah, ok. Ok. Pour quitter, on va appuyer sur R. Ok.
Le jeu de commande te permet d'utiliser des attaques plus puissantes et des sorts. Tac. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise un pour éliminer toutes les attaques. Ah, en fait, faut que j'utilise ça par la magie, ok. C'est ça, c'est la magie. Tu peux trouver des commandes n'importe où, à tout moment. Pour les passer dans ton jeu, hein, les jeux de commandes. L'option de trouver le menu principal. Tu peux personnaliser ton jeu de commande et aussi changer de québécoisité, statistique, ajuster paramètres de jeu, etc. Ça vous donne, tu peux accéder. Ok. Mais c'est sûr qu'on va principe terminé. Terrasse les fantômes de Ursula. Mais non, mais tu vois, je vais commencer par, j'espère commencer à mourir maintenant. Ça serait con. J'ai pas... Mais... Ah. Attends. Mais non, mais vas-y, vas-y, ça s'en fout. Ouais, au diable. Je crois que j'arrive pas. Oh, tout de suite. Allez. Non. Ça va. Ah, j'ai maximum monté. Ok, cool. Ah, j'aurais dû laisser la scène cinématique du début, je suis dégoûté. Bon. Alors, moins d'avance dans ce jeu. Flashback, examen symbole de maîtrise, accéder. Bon, un peu plus, système de flashback. Bon. As a Keyblade Master, Xehanort had a gift like few others. But such great minds are often plagued by a single great question. What is the essence of the human heart that weakens us or empowers us? The answer, he believed, would be found in the Keyblade War. What if the challenges of our past were in fact a map to the light and darkness that battles within us all? Xehanort had to know,
So he renounced his duties as master and chose the Seeker's life. Since then, in many a guise, he has clashed with protectors of the light. Keyblade wielders like yourselves. And mark my words, he will trouble us yet again. We must be ready. Which is why you, Sora and Riku, are to be tested for the mark of a true Keyblade Master. No doubt you fancy yourselves masters already, but it takes years of training. Only a true master can teach you the proper way. Both of you are self-taught Keyblade wielders, an impressive feat. However, the time has come for you to let go of preconceived notions, forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. What? But that's a formality, right? I already proved myself. Me and the King and Riku, we can take on anything. Right, Riku? I don't know. I think that in my heart, darkness still has a hold. Walking that path changed me. I'm not sure if I'm ready to wield a Keyblade. Maybe I do need to be tested. Riku. Then count me in. Put me through the test. Just watch. Me and Riku will pass with flying colors. Very well then. Sora and Riku, let your examination begin. Ouais, ouais. On va passer l'examen du symbole. En fait, c'est ça le thème du jeu, c'est l'examen du symbole de Maître de Keyblade. C'était la phase qu'on avait au tout début dans Berbassif, où on combattait, on prenait ou Terra ou Aqua et qu'on faisait un combat l'un contre l'autre. C'était ça en fait, la scène cinématique, c'était ça. C'était de savoir qui allait pouvoir maîtriser les pouvoirs de la lumière. Qui avait assez. Comment trouver le terme? Qui avait cette qualité pour être maître tout en contrôlant la part des ténèbres qui est en lui? Voilà. Je pense que c'est ça. Entrée du glossaire traitant des Keyblades. Et en fait, là, on va arriver dans ce qu'on appelle les mondes des rêves, en fait. Et on va traverser chaque fois les mondes des rêves petit à petit jusqu'à la conclusion de l'histoire que vous découvrirez. En même temps que moi en live. Glossaire maître. Ok. Maître Xehanort, entrée. C'est bon? On a fini? Voilà. Ah, ça commence d'entrée. Ah ouais, y'a pas. D'accord. Ok. J'avais complètement zappé. Donc vous le savez, il y avait toujours avec Kingdom Hearts un mini-jeu à part dans Bad Sleep et Shadow of Noir. Et là il y a un mini-jeu, il n'y a pas d'ennemis, c'est juste pour récupérer des pièces aux alentours, voilà, c'est juste ça. C'est bien, non, c'est dans l'objectif de franchir l'anneau final qui s'active une fois que tu as rempli certains critères. Ces critères nous varient en fonction de transition alors. Voilà, si t'as des ennemis, t'as une attaque rate, si l'active est rouge. Appuie sur X au moment. Ah, si t'attaques des ennemis, ouais, j'avais pas envie de dire. Bon, c'est pas grave. Attaque sur des points faibles multicolores, ouais, si il y a des ennemis. Y'a quand même des ennemis. Non, merde. J'ai fait une connerie. Ouais, il y a des ennemis basiques, quoi, c'est vraiment. Oh punaise, je me suis fait avoir. D'accord, j'ai pas réussi. D'accord. C'est bien sûr. Yeah!
Mais je crois que c'est le seul jeu. Ah non, non, mais non, il y a bah ouais, c'est aussi. C'est les anciens. Mais il y a pas de 5 heures dans ce jeu. Comme ça. Fusion chute. Mais je me rappelle pas qu'on arrivait comme ça directement. Vas-y, plus loin. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, on va switcher entre Sora et Riku. C'est le premier jour où on switch vraiment. À part au début, on va contrôler Sora pendant un certain temps, puis après Riku. Et après, il y aura un petit chrono qui va apparaître. Hey, et voilà. Must be more of Master Yen Sid's magic. Ils sont cool, ces vêtements. Et il n'aura pas ni Donald ni Dingo. Dans ce jeu aussi. Mais on va être accompagné de petits êtres qui s'appellent les rêves. Et on va combattre. Si je me rappelle bien, on va combattre des cauchemars. Mais. What happened to Riku? Riku! Hello! Riku! Shut it. Huh? Talk about noise. Ah! Sora, right? Yeah, but how do you know that? Looks like I'm not a player. A player? Come on, keep up. In the game. Players get marked with the time limit. In this game, I can't afford to lose. I need my game partner. What? Time out. Do you trust every total stranger you meet? Look, sorry. You're no good. You're not a player. And my pack's with someone else. Okay, so we can't be partners. Why don't I just help you out as your friend? Now we're friends? It's not that easy. Not saying it is, but you could make it easier. Yeah, sounds great. Whatever. Cool. Lead the way. Whoa. Hey. Initiation, fluidité, principe. Allez, on va tout regarder de toute façon, donc. C'est bizarre de revenir là, mine de rien. La fluidité te permet d'explorer les environnements au maximum. Ok. Et là, pour glisser vers un mur ou un poteau et passer en mode fluidité. Mode fluidité, tu peux appuyer sur rond pour sauter ou sur carré pour accélérer. Ceci te permet de te déplacer plus facilement. Il est sur le poteau. On gagne la vitesse. J'ai échoué. J'arrive pas. Mais c'est pas possible. Attends. Non. Il veut pas. Mais tu... Il veut pas. D'accord. En fait, il faut. Ok. D'accord. Glisser n'est pas le seul moyen d'entrer en mobilité. Saute sur les objets. Mais ça, j'ai bien compris, hein. Et si possibilité c'est infini, passe en mode finité dès que tu peux. L'initiation de finité principe est terminée. Ah, la musique est la même quand même, c'est bien. Il faut poursuivre le garçon. Ok. Objet. Keyblade. Putain, mais pourquoi on part avec celle-là? C'est chiant. Ouais, j'ai quoi? Compétence. Non! Non. L'expérience 0, tu vas te faire foutre, ok? Ok. Arme en forme de clé forgée par l'homme pendant l'ère des contes de fées. Il n'existe toujours aucune certitude quant aux autres origines. Une clé peut être issue des lumières, des ténèbres ou du cœur
humain. Cela dit, la plupart des Keyblades connus, y compris celle de Sora et Riku, trouvent leur source dans la lumière. Une Keyblade ne se matérialise que dans la main de son porteur, que lorsque celui-ci a prouvé que son cœur en était digne. Aucune série ni aucun ennemi de la lumière ne peuvent résister à Keyblade. Il est possible... J'ai pas fini. Attends. Il est possible de modifier l'apparence et la performance d'une Keyblade grâce à des porte-clés spéciaux. C'est du tout. Garder l'équilibre entre la lumière et les ténèbres, c'est à travers la transmission qu'ils choisissent les porteurs de Keyblade, qui les remplaceront disciples... Disciplinent leur corps et aguerrissent leur cœur pour qu'ils deviennent un jour maître d'Akibel. Le terme de maître est souvent employé à tort et à travers, mais un seul maître d'Akibel existant est capable de transmettre le titre de pouvoir et pouvoir qui lui sont associés. Les maîtres d'Akibel testent leurs élèves à travers l'examen du symbole de maîtrise. Parmi les maîtres d'Akibel se trouve un héritier ayant pour mission de protéger une terre sacrée connue sous le nom du comté de départ. Contrée de départ. Ben vas-y, Maître Xehanort. Il est sans aucun doute le plus puissant maître de la Keyblade de l'histoire et croit à un monde où la lumière et les ténèbres sont un pied d'égalité. Sa soif intarissable de connaissances l'a conduit à abandonner son cœur aux ténèbres. Il a tenté de déclencher une nouvelle guerre de Keyblade, mais son plan a été déjoué par trois jeunes porteurs de Keyblade en son corps et son corps en entier. Mais les maîtres de la Keyblade ont le pouvoir d'extraire les cœurs et de transférer vers notre réceptacle. Pouvoir que Maître Xehanort a employé pour s'emparer de, pour s'opposer à Sora sous de nombreuses identités. Je sais toujours pas lire. Hein. Corps de jeu, on s'en fout. Personnage principal, Sora. Porteur d'Akibet sera sauvé du monde à maintes reprises. Il a récemment décidé de passer l'examen de symbole de maîtrise afin d'acquérir un nouveau pouvoir. J'ai pas l'habitude. Porteur Keyblade, Riku amène un combat perpétuel contre les ténèbres qui habitent son cœur. Il décide de se mettre à examiner les symboles de maîtrise pour se prouver qu'il est d'une manière à Keyblade. Putain, mais je sais pas lire quoi. Homme au manteau. Personnage mystérieux, visage caché sous un capuchon. Sera le rencontrer sur l'île destin avant d'entamer son périple. Riku lui a si croisé, mais comme Sora, il ignore son identité. Braille. Forme humaine de Xibar, membre de l'Odyssée 13, et est devenu simili suite à une expérience. Voilà, donc c'est pour dire que... Avalareb, hein? Ah oui! Voilà, c'est les Avalareb, c'est les cauchemars, c'est ça. Ce combattant nocturne est pluridisciplinaire, le Ré, ok, on se fout. Trésor. J'ai trouvé aucun... 34, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui! On s'en fout. Flashback. Il est fait. Oui, c'est bon. C'est pour se rappeler des scènes cinématiques. Voilà, commande action, c'est bon. Transition, allez hop. On passe. Oui, comme quoi. D'accord. Comme quoi, ça la prouve exactement qu'il faut, pour comprendre l'histoire, avoir joué aux autres opus avant. Et donc, qui n'en vient. Tu sais, mais il a l'air courir rapidement quand même. Ok, ah d'accord, je peux faire ça. Ok. Bon, là, je peux pas passer. Je sens que j'ai déliré là-dessus. Est-ce qu'on peut pas monter? Ok. Donc là, je peux rien faire. Là, y'a rien. Comment de vie là, ok. Ah oui, attends. Il y avait ça. Comment on fait? Ça, on s'en fout comment on a l'objet. Compétence. Ah, c'était pas juste comme... d'accord, on va monter là. Hop. Ok. Ah, je peux pas passer. Non, ah. D'accord, bon là, y'a rien. Point de sauvegarde, ça j'ai compris.
Attends, du coup, je peux pas passer. Ok, donc il y a qu'un seul endroit où je peux aller. Mais il a l'air d'aller vite. Merde. Par d'accord. Ok. Bon. Doucement, c'est une bonne adresse. Sauvegarder. Bon, il n'y a que là que je peux aller. Session altération du réel, visionné. Pour ça, on n'a pas encore commencé le jeu, c'est long. Utilise l'altération du réel pour changer les lois qui régissent ton environnement. L'altération du réel fonctionne différemment dans chaque monde. Symbole apparaît sur une cible que tu peux utiliser pour l'altération du réel. C'est un triangle rond pour activer l'altération du réel. Pour viser la... Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord, je vois ce que c'est. Selon la cible, il faut remplir certains critères pour pouvoir apparaître le symbole. En général, il suffit d'afficher une certaine quantité de dégâts continue. Là, sur réel, on marque sur un maximum d'éléments, tu auras peut-être des surprises. De revenir ici quand même comme ça après le Chain of Memories. Ah putain, c'est pas, je voulais aller, c'est pas grave. Hey, I didn't catch your name. Dreamy. Ouais, les amis. That's a weird name. Not me, them. Right, I knew that. Don't let him surround us. Let's split up. Got it. Oh, it's Neku. What? Neku Sakuraba. You asked. So no. Neku Sakuraba. That's a mouthful. No, it's really not. Come on, Neku. Let's take him. Combat mode fugitif. C'est le début, c'est normal. Ah, tout se pâté. Ok. La fugitivité sert non seulement à se déplacer, mais aussi en combat. Appuie sur X en mode fugitif pour effectuer une puissante attaque fugitif. X est piqué, répliqué, d'accord, c'est circulaire. Fais une glissade, utilise la fugitif pour battre les ennemis. Mais. Mais il veut pas. Je vais mourir parce qu'il est trop con ou quoi. Mais je peux pas faire la glissade, c'est chiant. Voilà. Active ma fluidité. Ouais, mais j'arrive pas à glisser pendant que tu ouais, t'appuies sur moi. Quoi? Mais j'y arrive pas. Chut. Ah, ça y est. Come on.
Voilà, eh ben putain, faut y arriver, hein. Bon. Rien compris. J'étais buté pour hébérer, on s'en fout. Ah non, bah là, c'est... J'y arrivais pas. These things with you, they're dream eaters too? Yeah. If I'm gonna survive the game, I'm gonna need some extra help. Think you could control them? Sure. I guess. Ah, c'est le début du jeu, c'est pour ça. If we are ever to strike down Xehanort, we need the individuals King Mickey spoke of in his letter. We must lead them out of sorrow and slumber and back to our world. To do so, 7 sleeping keyholes must be found and unlocked, and a great power retrieved. As you know, every world is walled off from the next, preventing travel between them. In the past, you could bridge these gaps because the walls were broken, or because you could open special lanes with your keyblades. But your new goals, the sleeping keyholes, are harder to reach. You'll recall in your first journey that you brought many worlds back from the darkness, but some never returned completely. They still sleep, cut off from all outside channels. Not even the Heartless can enter. But these sleeping worlds are said to have their own manner of darkness. They are called Dream Eaters. And there are 2 kinds. Nightmares, which devour happy dreams. And benevolent spirits, which consume the nightmares. The Dream Eaters will guide you, just as the Heartless once guided you to the keyhole you seek at the heart of each world. Glossaire 5 coeurs. Entrée du glossaire traitant des 5 coeurs. Ok. Miam miam. Miam wow. Et oui, parce qu'on va, créer en fait des esprits, voilà. Lorsque tu bats des cauchemars, avale rêve, ennemi, tu obtiens souvent des brides de rêve. Grâce à ces brides de rêve, tu peux créer des esprits, avale rêve, allié. Ah ouais. Pour commencer, sélectionne l'esprit dans le menu principal. Créer un esprit. Et en fait, on va, c'est comme un peu un Pokémon, quoi, on va dire ça comme ça. Et on va les familiariser avec nous, on va même leur donner des noms. Non, c'est mignon, moi, ce que j'aimais bien dans ce jeu. Tu peux créer des esprits depuis des recettes ou de manière libre. Esprit depuis nos recettes, récupère d'abord les matériaux requis. Bon, comme partout. Hein. Ok. Je lis pas. L'esprit fait partie de la famille. Donne-lui un nom et beaucoup d'amour. Ça dépend qui. Ça dépend. Alors, choisis la recette. Ok. Est-ce que. Qu'est-ce que cette recette difficile à dire? Tout ce qu'on sait, c'est que. C'est un rêve est adorable et qu'il a horreur du feu. Putain. Si tu utilises davantage de matériaux qu'il en faut pour la recette, tu peux créer un esprit de rang ou de niveau supérieur. Tu peux aussi sacrifier une commande pour augmenter le stade d'esprit et différents bonus. Tu peux déjà choisir une commande pour augmenter. Rien compris. Utilise davantage de chaque matériau pour créer un esprit de rang. Non, j'ai pas beaucoup de commandes. Ok, on va faire ça. Créer cet esprit. Alors, hein, t'as un peu en chité, ok, je vais poser où. Donne un nom. Oui, je vais y en donner un. On va appeler Lolo. Comment... Entrez. Voilà, il s'appelle Lolo.
Et en fait, c'est ça que c'est bien, c'est qu'à chaque attrape-rêve, je peux en fait leur donner un prénom. Ta relation avec Frio commence bien. Merde. Je voulais pas, moi. Je voulais pas que ça commence bien, moi. Je voulais que ça commence mal, déjà. Voici ton nouvel esprit. L'esprit t'aide au combat, donne-leur beaucoup d'affection pour augmenter votre affinité et t'en sera récompensé. On peut appeler Pikachu ? C'est qu'on est même pour bichonner tes esprits. Ceci peut modifier le tempérament d'un esprit, augmenter l'affinité entre vous deux et leur faire gagner l'expérience. J'utilise les jouets d'entraînement pour jouer avec des esprits et les aider à évoluer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai changé de personnage. Combattre aux côtés des esprits ou renforcer vos liens leur fait gagner des points de fusion. Tu peux dépenser points de fusion à l'écran de fusion et compétences pour débloquer les commandes et les compétences. C'est très spécifique. Rapprocher de lui. Mais je vais pas me rapprocher de lui. Je vais me barrer, moi. Si tu es coincé, appuie sur L1 pour afficher l'écran d'aide. Merde. L1, on a dit. Ok, caressé. Et qu'il est mignon, il est tout ronron, il est tout ronron, il fait le beau. Ça y est, tu possèdes des points de fusion utilisés sur l'écran, fusion des compétences pour débloquer une nouvelle commande de compétences. Ouvre menu création, puis section fusion des compétences. Sur l'écran des fusions de compétences, tu pars d'un point de départ et tu dois dépenser des points de fusion pour progresser dans l'espace à la fois. Débloque les espaces pour gagner une nouvelle compétence, une nouvelle commande des compétences pour travailler. Utilise les points de fusion maintenant pour débloquer un nouveau pouvoir. Tu peux apprendre et activer des compétences spéciales qui augmentent tes stats et débloquent de nouvelles attaques. Elles s'obtiennent par le biais des esprits. Ok, pour les compétences, ok. Fusion. Cet ennemi est touché par ton attaque normale. Oui, j'étais dans les airs. Chaque fusion critique. J'ai du mal. J'ai du mal à lire, j'ai du mal à parler. Merde à la fin. L'écran de fusion de compétences de chaque esprit propose des récompenses différentes. Bon, je veux jouer. Quand tu prends soin d'un esprit, maintiens R1 pour passer en mode photo. Le texte à l'écran va disparaître. Initiation créée. Attends, je vais prendre une photo. Je voulais prendre la photo, moi. Attends, comment on fait? C'est là? Ah, voilà, c'est un jeu de commande, ok. Attends, je vais prendre une photo. Ni l'amitié. Mais s'il est tout rond, comment on fait prendre une photo? Et? Et on n'est pas joué, d'accord. Mais non, mais je voulais pas quitter, putain! Je veux prendre une photo. Mais je prends une putain de photo, bordel! Attends, comment on fait? Attends. Reviens ici, saloperie. Je prends une putain de photo! Non. Non, ça veut pas. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Fusion des compétences, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure? Ouais. Monsieur groupe, je peux pas. Jeu de commande. Alors. Bon, de toute façon, on va pas changer grand chose parce que j'ai. Ah, si. Ouais, mais sommeil, non. Provoque une onde de choc électrique qui doit. Ah, mais c'est ça. Là, je peux pas les mettre. Là, je peux pas enlever ça, donc on est mort. Objet. Ça, ok. Attends, mais je peux en créer un autre alors? Boost objet. Bah oui, je vais le booster.
D'accord, c'est un... D'accord, ok. Ça fait déjà 40 minutes qu'on joue. C'est qu'au tout début. Les mecs. Glossaire. Sans cœur. L'incarnation des ténèbres en nos cœurs est donc des ténèbres qui obscurcissent le monde depuis son origine. Bien qu'ils naissent dans les cœurs, eux n'en ont pas d'où leur nom. Ils vivent et se multiplient en dérobant les cœurs d'autrui et sont sans loi ni maître. Le plus chaotique et les plus chaotiques sont les matrices ou les purs sangs. Ou purs sangs, des êtres apparaissant spontanément. Les emblèmes, putain! Les emblèmes, quant à eux, sont créés artificiellement par un sème de Xehanort, mais se comportent comme leur homologue. C'est long. Ouais, j'ai mon premier esprit. Bah merde, c'est ce que j'ai combattu déjà. Ah, c'est ça, c'est mon esprit. Ouais, d'accord. Ok, non, c'est, j'avais mal compris. Est-ce qu'on peut en créer un autre? Ah! Ah! Je n'ai pas suffisamment de matériaux. Ok. Donc, je ne peux rien faire. Donc, on se casse. Voilà. Par contre, je mets. Ça fait quelque chose? Cool, ceux-là je peux pas. Je suis pas obligé de les éliminer par derrière. Putain, ça c'est cool. Allez. Il est où? Oh, trou du cul. Je t'ai bien fait, taper l'autre. Vas-y, tape Mika. Hein. I brought you Sora. We had a bargain. What's the matter, Neku? No way! Hey, that wasn't the deal. You said you wouldn't hurt him. Don't, Neku! They're too dangerous! What? Why am I so... Riku, c'est parti. On va, let's go. Qu'est-ce que je vais faire? 300. Ah putain. Mais non, je l'ai loupé. Allez, j'avais pas besoin. J'avais dit que j'avais pas besoin d'avis. Voilà, nous est ouvert. Non, encore. Ah, merde. Pas que c'est long quand même. Voilà. Ah, je me suis fait tuer. Quoi?
Am I in Traverse Town? My clothes have changed. Sora! Where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked, and then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyme. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. Oh, excuse me. You know Sora? Now I have your attention. But, unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. En fait, on va voyager dans les mêmes mondes, mais dans une version différente. Et des fois, les actions qu'on va faire d'un côté va se répercuter de l'autre. Là, par exemple, si je me rappelle bien, on va y revenir une deuxième fois ici, je crois, on revient. Et à un moment donné, on va mettre un boss en deux phases, c'est-à-dire qu'il va passer d'un côté comme de l'autre. Portail d'accès débloqué. Approchons d'un point rose et appuie sur X pour un... à l'intérieur. Des esprits d'autres mondes et vous faire équipe avec eux. D'accord. Ah oui, je m'en rappelle pas. D'accord, Ouais. Ok, je m'en rappelle plus. Chaque portail comporte un niveau de difficulté, alors ne fonce pas tête baissée. Vous me connaissez, hein? Quand on tente de battre un boss secret avec juste un niveau 76, qu'on se peut en prendre la fessée de notre vie. Vous me connaissez, hein? Je fonce toujours tête baissée. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux faire? Non. Pour ça, je peux pas. Par contre, j'ai ça. Ok, d'accord. Ah, lui, c'est plus simple. Je me rappelle plus si lui il a des. S'il a des. Des avales rêves avec lui. Ah non mais c'est bon, ils vont me tuer. D'accord, là c'est un bel cochon quand même, c'est fou ça. Ah là il y a un truc en haut, ok. Allez encore. Ah, saleté. Je peux toujours pas créer. Le problème, j'ai juste commande, mais je peux pas créer. D'accord. Ok. Mais il y a rien. Ouais. Stock. Ça, j'ai la recette, mais je peux pas. Tant que j'ai pas encore.
bizarre. Portail d'accès, ouais, ok, ça j'ai compris. Ah bah, rêve. Ah, putain, il faut appuyer sur tous. Oh là, c'est chiant ça. Mais c'est relou ce truc. Putain, il y en a plus. Il y en a moins chez Riku que chez Sora. Ah, mais bon. Il y avait longtemps. Ah putain. Hop. 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 C'est un peu chiant, mais comme je l'ai dit, c'est le début du jeu, donc voilà. Là. D'abord, moi, j'ai gagné des points d'expérience, c'est quoi? J'ai gagné des points d'expérience. Portail d'accès. Emprunte ses esprits au bout d'un certain temps et retournant chez eux. Jeter les options. Et je dois faire quoi avec? Ah non, d'accord, en fait ils sont avec moi. D'accord. Je crois que lui il peut pas créer. Lui en fait il peut qu'emprunter. Why don't they ever attack you? They being dream eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything. But it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as dream eaters, which can become great allies. Ah, si. Voilà. Si, si. En fait, on peut créer des esprits. J'avais complètement zappé. Et on va en créer un nouveau, tout moche, en plus il est moche lui, c'est... Mon dieu... Je sais comment j'ai appelé. Je sais comment j'ai appelé cette chose. Ligne moche. Donner un nom à ton esprit, oui, je suis donné, tu vois le nom que je lui ai donné. Voilà, on va l'appeler Mika parce qu'il est moche. K. Ah, tac. Dans ma secouette. Merde, je me suis trompé alors. C'est pas de bon. I got you now, Joshua. Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Beat. How many times do we have to go over this? You've been tricked by that rogue in the black coat. What? Black coats? But that's... I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just can it, alright? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! What? Ugh, man, not cool. Ah, putain, quand je me retape ça. Fusion avec les esprits. Sora et Riku fusionne avec leur esprit de façon différente. Rappi a juste fusionné le même esprit pour qu'il transmette ses pouvoirs. Riku change de... Sora utilise les attaques de fusion pour attaquer ses ennemis avec ses esprits. Riku change de cible de fusion et absorbe la puissance de ses esprits pour améliorer ses combos. La jauge de fusion se remplit à chaque fois qu'un esprit réussit une attaque. Ah là, merde. Là. Choisis la commande fusion et appuie sur triangle pour effectuer une attaque.
fusionne avec deux esprits en même temps pour effectuer une entente. Ok. Fusionne tes esprits pour vaincre les ennemis. Je fais comment pour fusionner? C'est ça que j'ai pas compris. Ah, ça y est, mais punaise. J'ai compris. J'ai mis un moment, mais j'ai compris. Comment j'ai plus de vie, hein, je comprends. Tu te fais mal. Remplis la jauge de fusion des deux esprits de ton groupe et tu pourras fusionner avec les deux simultanément pour réaliser une puissante double fusion. Pour réaliser la fusion double, sélectionne la commande fusion et tu choisis une fusion double et appuie OK. Une seule fusion, l'esprit est terminé. Ouais, c'est pas compliqué. You know what? Forget it. This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7, I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. I know the feeling. Why am I suddenly so sleepy? Ah, j'en ai marre. Je veux jouer. Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light, a gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. Ça, c'est dans these Kingdom warriors Hearts, crafted Keyblades in the image of the original Keyblade. And waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces, 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Ah, c'est pour ça qu'il faut avoir joué aux autres épisodes avant pour comprendre un peu plus l'histoire en fait. Et là, c'était l'histoire de ce Kingdom Hearts, c'était X Kingdom Hearts, je crois que c'était une version qui était sortie sur portable et dont on a les scènes cinématiques dans Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 comics. Et voilà, et Sora se réveille tout doucement de son doux réveil. Il a fait un magnifique rêve. Huh? Where is he? Huh? Huh? They're both gone. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in league? That can't be right. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. Passer d'un personnage à l'autre. Dans ce jeu, tu dois alterner entre Sora et Riku pour progresser dans l'histoire. C'est ce que j'ai dit au début.
Pour passer d'un personnage à l'autre, sélectionne passage sur l'écran de pause ou dans le menu principal. Ouais. La charge de passage se vide au fur et à mesure que tu explores le terrain. Le sommeil ainsi que d'autres altérations d'état font baisser le niveau de ta jauge de passage plus rapidement. Une fois cette période, quand ta jauge est vide, tu entres dans une période bonus où des gouttes apparaissent plus fréquemment. Une fois que cette période de bonus est écoulée, tu passes au personnage suivant. Voilà. C'est tout con, mais c'est ça. Alors. On va essayer d'amitié avec notre ami Lolo. Attends. Mais non, mais on fait comment? Elle va plus? Ah, ça y est. Il y en a marre. On y arrête le cul. Voilà, en fait, c'est ça, il faut tourner un peu partout. Est-ce qu'on peut y gratter le cul? Voilà. Ah, le ventre, le ventre, le ventre. Voilà, je pense que là, on a fait le tour. Ouais, c'est bon. Menu, un peu créer un esprit. Ouais, non, mais création, je vais le créer déjà. On va créer un nouvel esprit. Voilà. Ah, on va appeler Aurélie, tiens. On va appeler Aurélie, celle-là. Ah, Lolo, Aurélie, ça marche super bien ensemble. Je vais me faire suivre. Non, je vais pas appeler Aurel, tiens, non. Qui je peux appeler? Ah, tiens. Non. Fabio. Et une dédicace à mon ami Fabio Di Santo, alias Costa Bordino sur sa chaîne YouTube. Allez-y, vous allez vous régaler, je suis sûr. Il est où? Ah, mais faut le mettre. Ah, mais on pouvait, d'accord, je sais plus. Voilà, ouais. Con. Putain. C'est bizarre parce que ça, je faisais le stylé, tu sais. Jusqu'à 31. Plus 3. Plus 3. Plus 2 fusion, HP plus 2. Ouais, ça, je peux en gagner plein. Fusion. Fusion. J'ai pas assez. Ah, oh putain, il m'a manqué. Ah. Allez. Fusion. Thank you.
Ça, après, le but c'est de remplir tout ça, donc je vais entraînement. Ah si, attends, merde, j'en ai un. Sélectionne les friandises en bas de l'écran pour donner à tes esprits. Si tes esprits n'en veulent pas, retourne dans l'aire de jeu et essaie de toucher l'icône de friandises avec l'icône. C'est Lolo, ça me ferait éclairer. Putain, Fabio, il est niveau 3. Fabio, niveau 3, oh. Ça rigole pas, là. Oui, il est en retard. Rapport. On avance pas. On avance pas. Gars mémorable dont parle encore... Justement. Dont parle encore les contes de fées à l'origine du conflit Kingdom Hearts à la source de toutes les lumières. Animés par leur désir de contrôler Kingdom Hearts, ces porteurs de la Kibé de la lumière et les ténèbres s'affrontèrent jusqu'à plonger le monde entier dans l'obscurité. La légende raconte que les mondes actuels ont subsisté en puisant la lumière qui habite le cœur des enfants. Et voilà. Kingdom Hearts. Selon la légende, la source de toute lumière réside en Kingdom Hearts. Xehanort est parvenu à créer deux Kingdom Hearts artificiels en dérobant des cœurs. Le royaume des cœurs du monde et le royaume des cœurs des gens. Dans le premier se trouvait une porte donnant sur le royaume des ténèbres dont l'étendue n'a jamais pu être déterminée. Quant au deuxième, on raconte qu'il était capable de rétablir une personne ayant perdu son cœur. Si Kingdom Hearts est une serrure, alors cette épée datant de l'ère des contes de fées et en était la clé. Il est probable que la X-Bane n'avait pas existé. Si la X-Bane n'avait pas existé, la guerre de Kibé n'aurait jamais éclaté. Après tout, ce qu'on ne peut trouver ni déverrouiller ne peut être possédé. Cette épée a de toute évidence inspiré les Kibé maniés par les humains. Le symbole X, qui se prononce aussi Ki, représente le croisement parfait de la lumière et ténèbres. La Keyblade peut être forgée quand deux pôles s'affrontent. Se rencontrent. On pense que le symbole X est également inspiré du sceau du dissident. C'est bon, on peut jouer maintenant. Mais ah, saloperie. D'accord. Comme l'on dit. Ça y est. Ça c'est... Non. J'ai pas fait attention qu'on pouvait... D'accord. Du coup, il faut... Qu'est-ce qu'il a? L'esprit semble avoir vu quelque chose. D'accord. Ah, c'est cool ça, j'ai joué. Premier district. Bon. Allez, là. On va bien trouver une sauvegarde quand même. Email. Qui regarde. Jamais l'email. Ah, santé. Ah, il est là. Ça fait une concentration. Voilà. Donc là, on a fini. Là. Pour t'aider à l'accès.
Ah, il faut pas des esprits. Voilà, l'effet est ici, c'est le 3. On va monter, monter, mais pas se monter, cool. Cool, cool, cool. Terminé. Pensez, c'est notre objectif. On va se confiter. Cool. Du coup, on va par là. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà. Là non plus. Là non plus. Attends, attends, il y a des trucs. Il y a un truc à ramasser. Examiner. Qu'est-ce? Il y a un truc en bas. Ok. Mais je vais aller d'abord. Je peux m'arrêter? Nul. Mais j'attends que tout le monde soit en fusion. Allez. C'est quoi ça? D'accord, une bulle. Ah mon dieu. D'accord, c'est un petit Israël, hein, cette fois-ci. Mais je me trompe de touche. Allez, dans 10 minutes, je m'arrête parce que j'ai faim déjà. Il faut que j'aille nager. Examiner. Oui, on bouge, on bouge, on bouge, faut bouger là. Faut avancer le jeu. C'est fini la fiance. Oh la vache, ah oui. Oh non. Ça, c'est pas cool. Parce que ce passage-là, c'est juste une horreur. Un coffre là-bas. La sortie c'est le vert, d'accord. Donc on prend tout sauf le vert. Ah mais non mais c'était. Attends, c'est bon. Allez. Ah, attends. Ah, là, y'a un quoi. Mais lâche-moi. Va voir les diables si j'y suis. Let's go. J'ai déjà pas compris pour faire un film. Ah mais. Ah si, c'est que ça fait plus de dégâts, c'est ça. Ok.
Ok, boss. J'ai cru que c'était un ennemi. Mais non, il y a un coffre. Mais putain, mais ah, c'est pas possible. Ah, c'est, ça commence. Caisse pas de dégâts plus de deux fois. Ça va, ça va être chaud. C'est ma recette, d'accord. Alors. Saleté. Mais non, mais. Ah, punaise. Mais vas-y. Mais ça va quoi ces trucs? Du coup, il faut remonter. Voilà, j'ai pris le coffre qu'il fallait. Voilà. Il est où le verre? Ah putain, il faut que je monte, d'accord. Je me suis juste trompé dans l'endroit. C'est là. Ah attends. Ah là, ça sert à rien. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya ya. Et là, normalement, on attaque le plus grand. Hein.
Non. J'aime pas attendre. Ah, il y a un coffre là. Non. Mais j'ai fait n'importe quoi, ça y est. Mais putain. Ah, je trouvais ça long. Bravo mon petit. Non. Ah, c'est là. Ah, c'est une étincelle. Voilà, comme ça. Ah, il se regarde, cool. Mais je me trompe de touche. Bon, de toute façon, quand je m'arrêterai dans quelques minutes, on reprendra là après, je pense, donc ça ira très bien. Allez, on continue un tout petit peu, on avance, on garde. Des amis, comme toujours. Il m'a saoulé. Super. Tout loupé. Ah, mais punaise. Il manque si le truc soit là. Ah, j'ai essayé à l'avant. On va voir par là, c'est un coffre. Il y a un coffre. Voilà. Ouais, ça diminue quand même mon temps de passage, il diminue pas mal. Je sais pas à combien de minutes ça représente exactement. Je crois que c'est une demi-heure, je pense. Une attaque, bordel. Voilà, on va voir devant de ce côté s'il n'y a pas des coffres à aller prendre. Ah, il y a un truc là. J'ai cru que j'allais faire avoir encore, mais en fait, c'était les vrais. Hey,
Ah, niveau 5 Fabio, cool. Portail. Réalise au moins 3 attaques cumulées, d'accord. Ils sont pas en moitié de vie. Ça y est. Alors, il reste 2 minutes sur le chrono de temps. Donc, je vais, je pense, retourner à la sauvegarde. Carrément. Qui est par là. On va la sauvegarder et on va sauvegarder directement. Voilà les petits amis, Matidi, j'espère que cette vidéo sur Kingdom Hearts Dream Drop Distance, première partie, vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre chaîne YouTube, Matidi. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre Twitch aussi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici grosso modo une grosse demi-heure, le temps que je mange un petit peu. Et on continuera avec la deuxième partie de ce jeu. Voilà, sur ce, je vous dis tous et à vous les studios. Bye.